Hey, bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne, c'est Jérôme Voyance. Aujourd'hui, vidéo, petit débrief pour le match AC Rome Barcelone qui vient de s'achever. Donc, surprise générale, l'AC Rome remporte 3-0 le match contre Barcelone. C'est juste énorme, ils se sont fait écraser. On a 45% de possession du côté de l'AC Rome, 55% de possession du côté de Barcelone. On a eu 16 tirs, dont 7 cadré pour le AC Rome et seulement 8 tirs pour l'équipe de Barcelone, dont 2 tirs cadrés, ensuite 19 fautes 19 pardon, fautes du côté de AC Rome, 10 fautes du côté de Barcelone. On a eu donc à la 6e minute un but de Dzeko de l'équipe de AC Rome, 38e minute carton jaune de Fazio, 44e minute carton jaune de Jésus, 58e minute but de Rossi sous penalty. 82e minute, on a eu un but de Manolas, il me semble. À 82e minute, toujours du côté de AC Rome. 3 cartons jaunes du côté de Barcelone, par contre, avec dont 2 qui ont été faits par les meilleurs joueurs. Donc, on avait Piqué qui avait fait le premier carton jaune donc, du match. Messi et Suarez qui ont aussi tous deux un carton jaune. Donc voilà, moi le match, il était plutôt intéressant, mais ouais, on s'attendait pas à ce que AC Rome remporte le match, surtout avec la cote qu'ils avaient sur tout ce qui est Parions Sport ou autre application, qui était quand même de 4,50. Voilà, après c'est le foot, on peut avoir des surprises. Donc voilà, c'était un petit débrief pour le match de ce soir. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, surtout n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Je fais des vidéos de voyance sur le football. Donc si t'aimes la voyance, si t'aimes le foot, si t'aimes parier, c'est ici qu'il faut que tu t'abonnes. N'hésite pas à visiter ma chaîne, à regarder mon travail, à laisser des commentaires sur mes vidéos pour me donner ton avis. J'en fais plus trop en soi parce qu'il me manque un peu de temps, mais je ne devrais pas retarder de recommencer à nouveau, surtout qu'il y a les vacances qui vont venir fin de la semaine prochaine. Voilà, merci à tous ceux qui ont regardé ma vidéo jusqu'au bout et surtout n'hésite pas à t'abonner encore une fois.